dit, Cyril, mais qu'est-ce qu'on fait à Nice? Ah, du farniente. Aujourd'hui, c'est eux qui plaît. C'est ça? Même les trois étoiles. Ah, j'ai marqué ça. On n'a pas le temps. Ça t'a fait chier de faire des pas tous les jours et ouais. Tu n'auras pas fait que... C'est la ça. Mais c'est... Il y a des zestes, du citron. Un peu de lardon. Carottes, oignons, blé. Il semble qu'il y a eu du dressage vraiment méticuleux pour d'autres plats. Aujourd'hui, tu n'as pas de service, tu fais tout toi-même. Ouais. On est encore les seuls à donner du service. Mmh. Ouais, je veux dire, mais... Dis, Cyril, mais qu'est-ce qu'on fait à Nice? Ah, du farniente. Non, sans plaisanter, on est venu rencontrer un chef. Un chef qui a beaucoup compté dans ma carrière, mais je ne sais pas s'il est vraiment au courant de ça. Donc, je suis venu lui dire, après ces 40 années qui sont passées à peu près. Et ce chef, c'est Dominique Lestanc. À la Merenda, à Nice. Voilà, d'où notre présence ici. Voilà. Et on va aller le rencontrer avec son épouse, Danielle. Bon, ben on y va? Oh, encore 5 minutes. Karine. Ouais. Al dente, hein. Al dente, si. T'en as fait assez chez Gualtieri. Ouais. Je me rappelle que tu m'as raconté un jour que quand tu étais du personnel, un jour, tu t'as fait chier de faire des pâtes tous les jours et ouais. Tu l'auras pas fait que tu as mis c'est la révolution. Ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mis la révolution dans la cuisine. La pâte, c'est comme si on va supprimer du pain, une table française, quoi. Le gars, il va dire, il est où le pain? Moi, c'est des pâtes fraîches, hein. Ouais. Mais il leur faut 4 à 5 minutes de cuisson. D'accord. Parce que c'est le même fournisseur de la Merenda depuis plus de 60 ans. D'accord. Qui fait les pâtes et il a un procédé spécial, une semoule de blé dur spécial ouais. Aussi. D'accord. C'est 100% semoule ou il y a un oui. Mélange? Non. Là, on voit pas. Ah oui. Regarde comme elles sont belles. Ah, elles sont magnifiques. Mais ça, tu vois, si tu ne les cuis pas 4 à 5 minutes, tu ne peux pas les manger. Elles sont bien serrées, ouais. Il a des très vieilles machines qui datent de 1920, 1930. Il n'y a que lui qui a le droit de travailler dessus. Parce qu'elles ne sont pas aux normes, tu vois, il n'y a pas les normes de sécurité pour le personnel. On a un four, on est au four avec le pistou qu'on a préparé, toujours un petit peu d'eau. Hein. Ouais, l'eau va lier. Et alors maintenant, c'est toi qui vas les tourner. Allez. Tu sais faire ça? Oui, je sais faire. Est-ce que je sais faire comme toi tu fais? On va les lier dans les tournants, tu vois. Ah oui. Les tourner. Là, il n'y a pas de fromage. Si. Dans le pistou, il y a le basilic, ouais. L'ail, ouais. Le fromage et l'huile d'olive. Là, ils sont parfaits. Là, maintenant, tu peux les dresser. Tu partages, là. Ah, une belle présentation, hein. Nous, les tournes, on n'a pas le temps. Non, mais c'est ça, on c'est pas ça. Le temps de les tourner, hein. C'est quoi? C'est ça pour Karine. Oui, voilà. Elle est déguste et on en parle tout à l'heure. C'est très très bon. Moi je parle pas parce que la pâte n'attend pas. Tu viens de dire qu'il y a 4 postes que tu l'as envoyé. Il y a 40. Non. Alors, l'anecdote, elle est. Je ne t'ai jamais dit cette histoire. En fin de compte, bon, moi j'avais fait le bec rouge à l'époque. Oui. Qui n'existe plus, je crois. J'avais envie de rentrer dans les étoiles Michelin. Ouais. Et puis j'avais écrit 175 lettres, je m'en souviens, à l'époque, à tous les étoilés de France et ceux qui montaient. Et j'avais reçu très très peu de réponses, hein, mais dont deux. Il y avait Bardet à Tours qui me disait « Refaites votre apprentissage ». Bon, je parle de 85. Ouais. Moi, j'avais débuté en 80, ça me gênait un peu. Et toi qui me renvoies une carte postale de Monaco, carte postale, hein, et tu marquais « Je suis complet pour l'instant. Si ma brigade venait à changer, je vous recontacterai. » Et là, tu me recontactes quelques temps après, je me déplace et puis, bon, tu m'embauches. Et ça a été donc le premier étoilé Michelin que j'ai fait. Et à l'époque, le problème, c'est que pour entrer dans les étoilés Michelin, il fallait toujours avoir une référence étoilée. Ouais. Donc moi, la première maison, j'avais beaucoup de mal. Et suite à ça, ben, c'est là où j'ai rencontré donc, un gars qui était à la Cravache d'Or, qui m'a fait rentrer à la Cravache d'Or. La Cravache d'Or m'a fait rencontrer Dany, qui m'a fait rentrer chez Marchesi. Et ça a été mon, voilà.
Donc il fallait que tu saches que tu étais à l'origine. Mais tu te rends compte de ce que tu me racontes, c'est qu'à l'époque, il fallait pleurer et être pistonné pour rentrer dans les maisons. C'est aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. C'est ça. Tous les grands chefs, même les trois étoiles, ils passent des annonces dans le c'est pays. C'est ça, oui, oui, moi je le vois. Avoir des commis, des chefs de parti. C'est ça, ouais. C'est ouais. Incroyable ah ouais. Comme ça a changé. Oui, parce que c'est vrai que tu me disais, ton choix avec Daniel de passer des étoilés à ce restaurant, c'est pas banal quand même. Non, mais parce que moi, tu sais, j'ai commencé très jeune, hein, aussi, j'avais 14 ans. Ouais. 14 ans, j'ai fait mon apprentissage à Marlenheim. Donc, dans toutes les maisons où j'estime que j'ai appris mon jeu, j'ai eu la chance de travailler dans les trois étoiles. Ensuite, je suis rentré travailler dans l'affaire familiale. Là, on s'est aperçu que c'était difficile de travailler avec les parents, les grands-parents, la sœur, le beau-frère. Ton père qui avait une étoile Michelin, d'ailleurs. Hein ? Ton père, il avait non. Ah, c'est toi qui l'as mis. Le papa de Daniel avait une étoile. Après deux. Son frère est rentré, il y en a eu deux. Et chez moi, il n'y avait pas d'étoile. Mais donc, moi, j'ai quitté la maison et je suis allé à Monaco. Alors, si tu veux, à 26 ans, je suis retrouvé à Monaco avec les lettres en or sur la façade. Ensuite, Château Isa, alors, j'avais pas 30 ans, j'étais au Negresco. Et puis, bon, au Negresco, c'est, voilà, au bout de 7 ans. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'ai dit, qu'est-ce qui peut encore m'intéresser aujourd'hui ? Puis, je faisais plus de cuisine. J'avais 25 cuisiniers qui travaillaient pour moi. Donc, je faisais demander à mes seconds de faire les essais, je goûtais avec eux. Et moi, j'avais envie de faire la cuisine. Et puis, j'adorais cet endroit parce qu'on était clients. Ici à ouais, la dernière. Et un jour ça m'a fait tilt. J'ai dit, c'est ça que je veux. Et puis c'est comme ça. Et ça fait plus de 20 ans. 28 ici, ans. Hein. 28 ans. 28 ans. On est les dinosaures, encore les derniers dinosaures de la cuisine. Mohican même. Là j'ai les panisses pour les cuire tout à l'heure. On les cuit à l'huile d'olive. Les lentilles saucisses que tu vas découvrir tout à l'heure. Alors à Nice on utilise toujours beaucoup de blé. D'accord. Dans toutes les farces, il y a pratiquement de la blé. Dans la sardine, on peut faire manger tout à l'heure. Dans les raviolis niçois, il y a la blette. Dans les lentilles, on a du gardel. Et on fait même un dessert sucré à Nice, uniquement à Nice, un gâteau à base de blette. Et ça, c'est le stockfish. Oui. Le stockfish, c'est vraiment le plat local. À l'époque, c'était les Scandinaves, quand ils venaient ici, ils échangeaient leurs poissons séchés, parce que du stockfish, il n'y en a jamais eu. C'est du cabillaud au départ. Oui. C'est séché sans être salé. Oui. Donc, il prend quand même une odeur assez forte en séchant pendant plusieurs semaines. Mmh. Ensuite, on est obligé de remettre 8 mois dans l'eau. Une semaine dans l'eau. D'accord. Et là, ça l'arrange pas au niveau de l'odeur. Bien sûr. Mais une fois qu'on commence à le cuisiner, avec l'huile d'olive, les pommes de terre, les tomates, les olives, il devient très bon. Voilà. Mais c'est un plat qui est quand même puissant. Il est changé contre quoi alors ? Contre l'huile d'olive. Contre l'huile d'olive. Ah, d'accord. Il est changé contre l'huile d'olive. Il fallait le tremper une semaine, donc 8 jours. Hein, Et il fallait changer l'eau régulièrement. Alors les niçois, pour pas utiliser trop d'eau, ils avaient trouvé la solution. Tu sais, à l'époque, dans les toilettes, il y avait des vieux réservoirs d'eau et ils faisaient la chasse. Alors, ils le mettaient dans le réservoir d'eau là-haut et donc chaque fois qu'ils tiraient la chasse, l'eau était renouvelée. Ils perdaient rien, les vieux. Ça, c'est ta tripe. De veau, alors. Tripe de veau. Tripe à la niçoise. Oui. On cuit avec très peu de tomates, oignons, vin blanc, un petit peu d'ail, tout est garni. Et la tripe de veau, on la cuit pendant 3 heures. D'accord. Mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat que la tripe de veau. D'accord. Puis deux pieds de veau avec. D'accord. Pour lier la sauce, pour qu'elle soit un petit peu. Et tu les remets dedans ou... Oui, oui. Une fois qu'ils sont cuits, on les désosse. On les coupe en petits morceaux, on remet dedans et on termine la cuisson. Alors la panisse, qui est déjà salée, donc on va rajouter juste un tout petit peu de poivre dessus. Voilà. Le stockfish, pommes de terre, poivron, olive. Un petit persillade dessus. Lentilles avec les saucisses perugine, hein, petites saucisses italiennes, un petit peu relevées, qu'on a cuisiné avec un peu de lardon, carottes, oignons, blettes, comme je t'ai expliqué, hein, toujours de la blette. Allez-y messieurs. On y va. Merci Dominique. Super. Mais voilà. Merci beaucoup. Il y aurait quand même à dire quelque chose qui est... Les mains paraissent simples, les gestes et les mains, mais là on voit quand même que la panisse a été coupée d'une façon où on est dans le contour de l'assiette. On a quand même un plat, mine de rien, qui est super bien dressé alors qu'on est dans un tout petit bistrot. Hein. Et là on voit que c'est déjà appétissant à la vue. Il y a du relief, il y a des choses, on voit des choses coupées, on voit un peu toutes les couleurs, tous les ingrédients. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu la main du cuisinier qui dresse.
On sent qu'il y a eu du dressage vraiment méticuleux pour d'autres plats dans le passé, hein, sûrement de la grande gastronomie. C'est d'ailleurs le parcours de Dominique. Et rien que de poser quelque chose comme ça dans l'assiette, on voit que c'est posé, mais que c'est bien posé. Ça paraît tout simple, mais essayer de recréer ce genre de relief, c'est pas toujours évident. Bon appétit. C'est lourd. Parce que vous étiez déjà ensemble quand... Ah bah oui, je suis parti de Marlenheim avec Daniel. Hein. D'accord. On était ensemble déjà. Ouais. Depuis 14 ans, hein, depuis l'âge de 14 ans. Mais on va fêter nos 40 ans de mariage et début février, 50 ans qu'on est ensemble. Tu sors, tu fais qu'un service ou deux? Deux. Deux aussi. Mmh. Ah ouais, premier ouais. À 7h, deuxième à 9h. Et tu arrives à produire autant dans la journée? Matin. Bon, là je suis tout seul, donc je viens tous les matins, je suis là 7h moins le quart. Ouais. Mais sinon, 7h30, et puis il faut qu'à 11h tout soit. Parce qu'à l'après-midi, on ne fait pas de mise en place, on fait tout le matin. D'accord. Et après, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Tu vois, les sardines, je fais 20-25 portions par jour. Si tout est vendu, tout est vendu. Ouais. Mais on recommence tous les jours. Quoi. Donc, c'est ça. Après, le soir, il y a une ou deux lignes qui peuvent manquer. Mais c'est aussi gage de fraîcheur, de qualité. C'est vrai que j'avais toute cette image de ces cuisiniers où j'aurais manqué peut-être à arrêter la cuisine, tu vois. Et puis, quand je travaillais avec toi et que tu nous parlais de sport, enfin, on parlait presque pas de cuisine. Il y avait une vie, quoi. Il rentrait les services, vous avez regardé le match hier soir, alors le score match et tout. Vous faites quoi ce week-end? On va faire du ski nautique. Mais c'est dingue, on a fait du ski nautique. La voile, tu nous avais inscrit à la voile. Ouais. C'est dingue tout ce qu'on faisait. Et toi, tu venais aussi et tout. Et puis nous, on était là, tous les petits cuistots. Et ça, c'est vrai que c'était pour nous. On travaille pas comme ça dans les autres établissements. On te disait ferme ta gueule, fais ça, et puis voilà. Ce qu'on a connu, il n'y a plus personne qui veut le faire. Hein. C'était avant ou après? Oui, après. Moi, j'ai fait 87, hein, donc 80, après Marquesi. Alors Marquesi, rien à voir avec tout ça. Hein. Marquesi, c'était ce grand personnage Marquise. Italien, très très gentil. Même si on était sur un trottoir en face dans la rue. Bonjour et tout, non, Marquis, c'est un grand homme, c'était un grand grand homme. Vous êtes que tous les deux? On est que tous les deux. On a essayé quelques gens, mais c'est pas possible. Moi le matin, c'est souvent entre 2h et 3h, tu vois. Mais je travaille pas le soir, par contre. Voilà. Oui, mais tu veux dire 2 ou 3 heures de cours? Du matin. Ah, du matin. Oui, mais il faut dire qu'il remplit une vitrine tout seul. Oui, mais c'est pas, on n'a pas les mêmes. C'est incroyable. Que moi, à partir de 7h30, il peut venir quelqu'un manger. Pas manger, acheter. Acheter pour un midi. À 9h, je suis au lit. Bien sûr. J'ai inversé un peu ce que je faisais en cuisine. Moi, je me réveille 5h, 5h30, je suis là 6, parce qu'on vit derrière. Hein. Alors, lui, il est au taquet depuis 4h, toi, tout vous rappelle les yeux. Non, je ne voulais pas, mais bon. Parce que... je voulais qu'on fasse ces putains de poires, là. Les poires? Éplucher les poires. Ah non, qu'est-ce que tu veux faire avec les poires? Le chutney. C'est un petit moment d'adaptation. Mais c'était bien sympa. Moi, ça m'a fait très plaisir de te revoir, de te connaître toi, Karine et ton fils. Merci, Dominique. Au plaisir. À bientôt, j'étais vraiment... Ouais, mais ça, il faut remonter. Merci beaucoup. Soyez prudents. Ouais.